Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui on est parti faire le tour de plaine exactement un mois après. On est début juin, on va voir un peu l'avancée des cultures. Je vous montrerai les suites aux dégâts du maïs. Quand je vous avais montré le maïs, en fait il a gelé deux jours après. Mais bon, je vais vous montrer dans la vidéo comment ça se passe. Alors ici juste à côté là, de ma parcelle de 30 hectares, j'ai une zone qui est très infertile. Vous voyez que ça y pousse de magnifiques orchidées. Là ça va être une fauche, enfin un broyage tardif. Parce que normalement ça arrivera à passer dans le broyeur. Et il y en a environ 30 arts. Il reste encore des pâquerettes et pas mal de graminées sauvages que je laisse en fait pousser. Ça me permet la nidification de certaines espèces et toutes les orchidées qu'il y a, c'est assez impressionnant. Ça favorise aussi la biodiversité, malgré que j'en ai dans mes champs comme je vous montre assez souvent. Alors niveau blé, ici là, je vous rappelle, c'est le blé Absalon. Il est en cours, vous voyez que l'épi commence à se courber, le remplissage du grain est effectué. Il lui reste plus qu'à monopoliser toute la force qu'il a dans les dernières feuilles, elle va être transférée dans l'épi. Je suis quand même assez content de cette variété parce que j'ai toujours... quand même réduit mes coûts. J'ai mis 25 euros de moins en protection maladie. Après, bon, au niveau puceron, bah, je suis assez content. Les pucerons des épis ont été ravagés par les auxiliaires. Ce qui n'est pas évident tous les ans. Je vous rappelle, on ne commande pas la nature. Pour l'instant, une année sur cinq, on est obligé d'intervenir pour aider les auxiliaires. Parce que des fois, il n'y a pas assez de monde. Parce que, en fait, le puceron des épis, lui, il va accumuler la sève qui est dans les graines et ça réduit, en fait, la teneur en PS du blé. Et il est souvent déclassé. Il ne peut plus être vendu pour faire du pain et il est amené à être vendu pour les vaches. Et bon, c'est pas le but recherché, c'est un blé quand même qui est cherché pour le pain. Et je voulais vous montrer aussi, j'ai voulu baisser en traitement herbicide, malgré que ce soit derrière un tournesol, vous voyez, il commence à y avoir, ça c'était il y a 3 ans, il y avait eu quelques pieds de régras qui avaient grainé de la bordure et ils ont rejoint en fait le milieu de la parcelle, parce que vous voyez sur la bordure il n'y a pas de problème, mais en fait ils sont cantonnés à 20 mètres de la bordure. Et là malheureusement l'herbicide de printemps n'a pas été efficace. Je suis pourtant à 0,8 indice fréquence de traitement, c'est la dose homologuée, et va falloir que je mette les moyens agronomiques en place, c'est-à-dire le déchômage. Rendu dans le champ de blé que je ne vous ai pas montré le dernier tour de plaine, vous voyez peut-être pas là derrière moi, mais on va se rapprocher. Je vais vous montrer les petits effets ici là. Cette couleur lie de vin, elle est très caractéristique. En fait, c'est pas de la maladie fongique, c'est dû aux pucerons. Les pucerons qui étaient à l'automne, et suite à l'interdiction des néons nicotinoïdes sur traitement de semences, parce que là c'était traitement de semences, il y a eu des pucerons, et comme le seuil n'était pas atteint, j'ai pas voulu faire de traitement. Aurait fallu faire un traitement au mois de décembre sur les quelques pucerons qu'il y avait par tâche. Le problème, c'est souvent les haies. Il y en a beaucoup de pucerons.
qui arrive. Et là, ce que ça va faire dans le coup, ça va provoquer une perte de rendement parce que toute la partie de feuille qu'a eu le virus a transmis un nanisme à la plante. Et dans le coup, bon là c'est pas évident de le chiffrer la petite perte qu'il y aura, parce que c'est vraiment très cantonné aux bordures. Et après, bon là, le blé est quand même joli dans son ensemble. Mais je pense que les années à forte pression, parce que l'an dernier on était faible pression, 10% des plantes n'étaient pas atteintes par les pucerons, mais ils étaient virulifères. Alors je pense que c'est inquiétant pour les années à venir. Il y a des années où on est obligé de faire deux insecticides. Petite nouvelle de l'orge, elle est en cours de maturation. Vers le 20 juin à peu près, on sera pas loin de la récolte, je pense. Et malheureusement, les quelques régras qui traînent, le programme d'automne n'a pas été suffisant. J'avais rattrapé que les 10 cotes au printemps. On est à 1,2 dose de traitement à hectare. Avec deux herbicides, c'est pas énorme. Mais il va falloir être vigilant les années à venir parce que je vois des baisses d'efficacité grandissantes sur les régras. Et comme on a moins de solutions, ça risque d'être compliqué. Le colza commence sa maturation des graines. Là, les graines sont encore vertes. Mais c'est parti pour engranger toute l'énergie. Les feuilles sont en train de tomber. On va faire un petit bilan. Là, ce que vous voyez, ça fera de la très bonne huile. Et si on recule, ici, là, c'est peut-être joli. Mais si ça se retrouve dans votre assiette, qu'est-ce que vous en faites? Vous voulez de l'huile de coquelicot avec de colza? Regardez, même j'avais broyé, là. Et ben, ils ont réussi à repousser. Bon, ça a quand même diminué de volume. Ceux-là, ils iront pas dans la moissonneuse. C'est pour vous montrer un petit peu un pied qui avait été broyé. Et un pied qui n'a pas été broyé. Regardez un peu. Ça, c'est impressionnant. Même vous pouvez voir là, une bogue, c'est, il y a des graines dedans. Regardez le nombre de graines. Moi je veux bien votre association là, les coquelicots, nous volons des coquelicots. C'est peut-être joli, c'est vrai. Mais si vous voulez ça dans les champs, vous aurez ça dans vos assiettes. Et moi... Franchement, je suis pas prêt de bouffer de l'herbe. Alors bon, les donneurs de leçons, hein, à bon entendeur. Et je voulais vous montrer un petit peu l'effet quand même du fenugrec. Pour comparaison quand même. Là, le fenugrec n'avait pas réussi à naître à temps. Et le colza, les pieds, bah, ils sont vraiment, vraiment chétifs. Enfin, vous voyez, il a réussi à naître après. Là, le petit désherbage, j'ai fait un unique désherbage au mois de janvier. Ça l'avait ralenti, mais il a réussi à repousser dans les zones où le colza était pas joli. Et là, en nombre de silique. C'est vraiment minuscule. Je pense que on peut déjà dire sur 30 arts 10 quintaux. Et on va aller voir dans une zone où il y a eu le fenugrec. Déjà là c'est un peu plus joli. Il y a une masse de silique.
Bon, le seul problème, moi, comme je m'occupe pas du tout, dès que le colza est en fleur, bah, je ne traite plus en insecticide. Je vous avais montré là dans la vidéo kit pétale le fongicide avec le biocontrôle. J'avais fait une mi-dose de chaque. Je voulais vous donner des nouvelles des pucerons comme je m'en suis pas occupé. Vous voyez là, cette zone là, il y avait des pucerons cendrés. Bon, ça s'est cantonné que au pied touché. Ils n'ont pas été plus loin. Là, regardez, il en reste quelques-uns là qui ont réussi à repousser. Mais là, ici, là, ils sont momifiés par les insectes comme les cirfes et des abeilles taquinaires. Et il y a eu aussi des coccinelles qui sont arrivées très tard quand même. Elles ont mis 3 semaines avec le temps que ça faisait. Et ici, là, c'est une silique qui a été attaquée par le charançon des siliques. Bon, ça va parce que c'est cantonné en bordure, mais c'est des siliques qui sont en moins. Et là, quand on me dit qu'il n'y a pas d'oiseaux, regardez ça. Là, ici, c'est un moineau. Il a mangé la silique. Bon, je peux pas vous dire encore le potentiel du colza. On le saura dans 3 ou 4 semaines. Mais pour moi, avec le dégât de gel qu'il y a eu début mai, là, cette parcelle, ça va encore, mais j'en ai une. Je pense que ça a frisé à catastrophe et qu'on a perdu au moins 10 quintaux. Mais bon, c'est un peu les joies du métier. Petite nouvelle rapide du maïs. Je vous rappelle qu'il avait gelé. Ici, il y a une sacrée différence. Vous voyez, ce pied-là n'avait pas gelé. Et celui-là d'à côté avait gelé. Bon, là, celui-là, bah, malheureusement, il n'a pas eu de chance. Il va crever. Et la différence, il avait perdu 3 feuilles et demie. Bon, il est bien reparti grâce au biostimulant que je lui ai appliqué. Du coup, il n'y a pas eu beaucoup de pertes quand même de pieds. Il y a eu quelques géomyces qui sont arrivées au moment de la repousse du collet. Et je voulais vous montrer. Voilà ce que ça fait. Alors, sans traitement de semences gaucho, bah, ce problème là, il y a 3 ans là, j'avais eu une grosse attaque dans cette parcelle. J'avais rien pu faire parce que moi j'utilisais pas ce traitement de semences, mais j'avais perdu quand même 30 000 pieds et hectares, ce qui avait fait une perte quand même d'environ 15 quintaux. Celui-là, il avait été semé en fait le 14 avril. Il est bien parti maintenant. Là, on n'a plus rien à y faire. On a mis l'azote il y a une semaine et demie maintenant. Et vous voyez qu'il est bien parti à pousser. La floraison s'effectuera normalement un petit peu avant le 14 juillet. On est rendu au tournesol. Alors ceux-là, je les ai pas binés comme la vidéo de la semaine dernière. Mais il y a un petit souci. C'est un champ que j'ai voulu essayer sans glyphosate. Alors je veux bien diminuer. Moi, pour rappel, j'ai consommé 12 litres de produits sur la surface céréalière. Sachant que les 20 hectares de maïs n'ont jamais vu un brin de glyphosate. Mais les champs où il y a du blé qui est moissonné, je passe fin août, début septembre pour traiter les ronds de chardon. Ce qui m'a valu sur 5 parcelles à côté de jachères. Parce que les jachères amènent beaucoup de chardon. Et j'avais mis en tout 12 litres. Sachant que la dose hectare est de 3 litres sur chardon. Ça fait 4 hectares traités sur une surface en fait de 15 hectares de culture de printemps qui était prévu. Et ici là, j'en ai pas fait et je vais vous montrer
que là-bas, vers le fond, voilà le problème. En fait, dans les autres parcelles, vous voyez, il y en a pas partout. Hein. Ce que je faisais dans la chaume de blé au mois de septembre, c'est que j'ai mis le Roundup, ou le glyphosate, enfin comme vous voulez, le mot que vous aimez pas, mais bon. Sur ces ronds, juste sur ces ronds, à côté, il y en a pas eu dans les parcelles où... Et là, j'ai essayé des moyens de lutte agronomiques, comme le déchômage avec des chômeurs à dents, pour les détruire. Sauf que problème, ce rond n'était pas assez développé pour que je puisse le détruire mécaniquement. Déjà, ça l'aurait pas détruit totalement, ça l'aurait réduit à juste une petite tache comme ça. Il faut savoir que quand on coupe le rond du milieu, il y a des drap-jetons qui se décalent et vous voyez, ça colonise juste à côté. Si j'avais fait du glyphosate, ça m'aurait évité, là, dans ce champ, de me taper des heures à la binette. Parce qu'il y a environ 4 hectares, là, à arpenter. Bon, c'est vraiment des ronds contenus. Mais il faut que je le fasse. Là, ça va pas tarder, les boutons. Mais personne va venir m'aider, à part mon père. J'avais fait un appel l'an dernier, mais personne n'est venu. Les donneurs de leçons politiques, ils en ont rien à secouer. Regardez la différence. Là, le tournesol n'est pas concurrencé par le chardon. Et là, il est concurrencé. Bon, ça va le sauver, moi, quand je vais couper. Parce qu'il faut que j'attende qu'ils soient à bouton. Quand ils sont à bouton, la tige est creuse. Et avec la binette, on le coupe bien. Mais c'est juste un problème... de temps. Et vous me direz pourquoi je fais pas ça à la bineuse, parce que la bineuse ça va les couper et ça fera rien du tout. C'est spécifique. Et on va faire un petit tour. Là je vais avancer gentiment et dès que je trouve une coccinelle je vous la montre. Bon, il m'a fallu pas longtemps. Vous voyez, ben ça je l'ai fait tomber. La petite coccinelle, ça c'est les croqueuses de pucerons. Et dans le goût, bah moi j'ai jamais eu besoin de m'occuper des pucerons, parce que ces petits taliers là, ils arrivent souvent quand il y a les problèmes de pucerons. Et vous voyez, il n'y a pas de crispation de feuilles. Il y a aussi des petites araignées, hein. On les voit pas souvent, mais ah bah si, regardez là dès le matin, là c'est une araignée, ça aussi c'est très utile. Bon là je vais peut-être pas avoir la chance de vous trouver une cryops, mais j'en trouve assez souvent quand même dans les tournesols. Et là par contre ce qu'on peut voir, là déjà le prémisse de floral. Vous voyez là le petit étoilé, c'est la fleur. Alors moi je vais vous laisser sur ce champ de tournesol. Je vous le remontrerai quand il sera en fleur, avec des petites vues drone. Je pense que ça sera sympa. Et moi je vous dis à bientôt.